Honorable Mohamed Bakary Keïta, est-ce que vous allez continuer à exiger que la justice doit faire son travail? Ah oui, bien sûr. C'est de notre devoir d'exiger cela. Sinon, on aurait failli à notre devoir républicain. Celui de demander à ce que justice soit rendue pour les martyrs. Cela est clair. Plus de 100 jeunes tués. Est-ce que vous allez continuer aussi à manifester? Nous allons continuer à marcher jusqu'à ce que le gouvernement d'Alpha Condé fléchisse. Ils ne sont pas sur le point de fléchir parce qu'ils deviennent une dictature. Mais là, nous allons faire en sorte que cette tendance change, que la démocratie soit détruite par les Guinéens comme ils le souhaitent. C'est vrai que si vous allez n'est pas là, comment vous avez pu mobiliser cette amende-là? La mobilisation, elle suit le mot d'ordre de Cellou Dalin. Cellou Dalin a donné le mot d'ordre et l'ensemble des militants responsables de l'opposition républicaine ont suivi. Vous avez vu la porte. Okay. Merci.